Salut et bienvenue sur Warcraft 3 Reign of Chaos. Donc deuxième partie du chapitre 6 il me semble. Bon, c'est franchement un gros galère pour l'instant. J'ai rasé une base adverse et on était en train de repousser une petite attaque. Go. C'est quasiment réglé. Ouais, il faut que tu reviennes et que tu te rends et que tu te rends. Oh, je peux même plus. J'ai plus personne au bois ou quoi? Ok, il me faut du bois. Alors les mecs, vous allez bosser au bois. Toi, tu vas t'installer à côté de la mine. Toi, t'es déjà en cours. Y a-t-il des démons par ici? T'as rasé ce truc-là. Je suis prêt. Vous osez m'adresser la parole? On va s'approcher. Enfin, on va approcher avec qui? Je suis impatient. Faut que j'aille voir qu'est-ce qui protège ici. C'est une promenade. Est-ce qu'il y a des choses particulières ou pas? Parce que plus je réduis les voies d'accès, plus je serai au positionner mon armée pour défendre. Le mal se rapproche. Il y a un truc par là. Facile. C'est tout. Il n'y a rien. Facile. Donc il y a tout un truc ici à explorer. Le mal se rapproche. Et la légion ardente, elle est quand même là. C'est tout. Ah, le mal se rapproche. Oui, encore. Facile. Là, il y a des murlocs. Le mal se rapproche. Ouais, une armée en cours. Mon bras reculé. Est à votre service. Je suis prêt. À nos deux bras, je suis à votre service. Je suis allez, prêt. Allez, battez-vous. Je suis aveugle. Où dois-je frapper? Battez-vous tous. Mon bras est à votre service. Et je vais. Où dois-je frapper? Bâtiment. Je suis prêt. Casse-toi, t'es mort. Vous osez m'adresser la parole? Oh putain. Chaque fois qu'ils font une attaque, c'est là. Nous n'avons que peu de temps. Il faut un soin sur lui. Bien. Oh putain, c'est pas trop. Y a-t-il des alors ça, c'est par contre, ça c'est un truc qui est très gênant quand on est armé contre l'archer. Vous osez m'adresser la parole? Tout le monde. Je suis impatient. Oh, ils ont fait mon. Ici, en attendant, je vais quand même positionner ma base. Toi, je vais te faire envoyer des mecs là-haut, je pense. Tu m'en enverras. Notre mine d'or est presque épuisée. Juste deux, toi tu m'en enverras trois. Donc cette mine d'or là, je la déplacerai là-bas. Je suis aveugle, pas sourd. Bâtiment. On va essayer de s'organiser. Groupe 1. Mon bras est à votre service. Vous osez m'adresser la parole? Groupe 1. Et je les vous archers. Écoute. Indiquez le chemin. Groupe 2. Quel appel pour la nature? Avec plaisir. Allez vous faire soigner rapidement. Le groupe 1 il est comment? Je suis impatient. Il est bon. On va se positionner ici. Vous osez m'adresser la parole? Allez go. Qui nous envahit? Je suis aveugle. Pas sourd. Un groupe 1 je vous signale. Y a-t-il des démons par ici? Normalement j'ai quand même une sacrée armée. 75 de population, c'est pas rien. Donc j'aimerais bien que maintenant les bases, je les rase facilement. Je suis impatient. Petite amélioration comme ça. Là j'ai rien à faire de plus. Là on est déjà à fond. Vous osez m'adresser la parole? Je suis aveugle. Bonjour. Pas sourd. Pour les arbres. Avec plaisir. Aïe aïe aïe. Je suis impatient. Qui nous envahit? Ça sent la grosse armée. Vous osez m'adresser la parole? Sur le coup. Je suis impatient. Vous osez m'adresser la parole? Ah ouais, surtout ils vont être méga chiants. Et puis en plus, vu qu'ils pompent le mana toutes les 10 secondes, mes mecs peuvent pas. Ils peuvent pas les transformer parce que sinon j'ai plus de mana pour les transformer à la fin. Vous osez m'adresser la parole? Bâtiment construit. Y a-t-il des démons? Quel appel pour la nature? Tiens. Un mec a quand même réussi à la faire ça. Bonjour. À vous. Elle va te casser. Je t'ai sauvé tout juste. Tout? Un problème? Je suis impatient. Allez, on rase les bâtiments maintenant. Qui nous envahit? On rase les tourelles pour commencer. Un problème? Et ensuite, on reste. Bon, on a quand même passé. Nos guerriers engagent l'ennemi. Pas assez d'or. Pas assez d'or. 4. On est là. Alors, on va tout de suite envoyer un cinquième.
Je suis à quel appel pour la nature. Cette base là rasée. Par ici. Recherche terminée. Notre mine d'or. T'inquiète pas, on s'en sortira quand même. En route. Eux c'était des relous qui pompaient le mana avec Goro. Avec eux en moins. Osez m'adresser la parole. Projeter une bataille sera peut-être plus facile. Allez, je suis aveugle. Dernière couronne. Bâtiment construit. La nature est belle. Nos guerriers engagent l'ennemi. La base principale pour s'implanter là-bas. Allez, allez. Et voilà, maintenant qu'on va raser cette base là. Pas de problème. Et il faut aussi que j'implante une base là-bas aussi. Plus on a de base, mieux ce sera économiquement. Surtout, on aura plus de chance de survivre aussi. Vous, pour l'instant, vous vous mettez là. Vous n'avez pas vos armées pour éclairer le chemin, caché dans la base. Y a-t-il des... Bonjour. Il y avait un truc à voir ici. Non, ça se fait une montagne, là on a tout vu. Bah ben voilà, on a deux bases de raser. Les druides, vous les transformez. Un coup je là, m'y rends. Un coup là. Nos guerriers engagent l'ennemi. Un coup là. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh punaise. Y a-t-il des démons par ici? Foncez les mecs. C'est une promenade de santé. Un problème? Ok, bon, l'attaque des rouges arrive. Vous osez m'adresser la parole? Il est devant. Et qui peut intercepter, ça fera au moins ça de gagner. Mais ils sont passés par où? Parce qu'on les... Ah, ils sont dans la base. Bonjour. Nous n'avons que peu de temps. Je lance le cri, soigne-lui, soigne-lui et je transforme. Ah, que la nature est belle. Vous osez m'adresser la parole. Je ne peux pas éternellement non plus. En même temps, c'est un arbre d'éternité. Et je lui ai dit qu'il va pas te battre éternel. Mais moi, je fais des jeux de mots avec lui. Bonjour. Quel appel. Allez, pour la nature. Je vous les laisse. Je suis impatient. Allez, hop. Vous osez m'adresser la parole pour la nature. Donc, je sais pas par où ils sont passés. Y a-t-il des... Rendez-vous là-bas. Par ici. Et vous, tu vas commencer à approcher ça. Et pendant qu'il approche, vous vous le réparez. Les nouvelles améliorations. Je suis impatient. Toi, tu vas faire la base en dessous. Pas assez d'or. Je t'inquiète pas, bientôt je l'aurai. Par ici. Je tournerai donc sur 4 bases. C'est pas mal 4 bases. Vous osez m'adresser la parole? Bonjour. C'est quoi ça? Ah oui, mais mon souci, ça c'est balèze. Par ici. Parler. Ah, c'est vrai que c'est... Nos guerriers engagent l'ennemi. Chien maudit. Quel appel pour la nature. C'est ce que j'avais dans la mission des morts-vivants à la fin. Je suis impatient. Super un puissant, problème ça. Je suis aveugle. Bonjour. Pas sourd. Toi, tu vas quand même faire ta base maintenant. Nos guerriers engagent l'ennemi. Donc je me suis implanté. Vous osez m'adresser la parole? Il y a une base verte. Le mal se rapproche. Qui nous envahit? Facile. Là-haut, il y a un truc murloc, je m'en souviens. Va falloir que j'aille jeter un coup d'œil. Allez, on se met en position ici, vous devant, vous derrière. Vous, au lieu de rien foutre, vous allez camper ici. Il m'en faut encore deux là-bas. Bon, t'en auras un, c'est déjà ça. Pas tous en pouvoir disponible. Hein. Je suis impatient. Toi, tu vas m'explorer la zone ici pour être sûr que c'est bien une impasse. Rapproche. Parce que c'était peut-être nos la boîte d'accès de la base. Nos guerriers engagent l'ennemi. Où dois-je frapper mon bras? Recherche terminée. Combat, bon sang. Mais... Je suis prêt. On ne demande de rien faire. Je m'y rends pas. Vous avez le moyen d'aller vous taper. Plus de mana. Nous n'avons que peu de temps. Cassez de là. Nos guerriers engagent l'ennemi. Où dois-je frapper? Cassez de là, mon bras battez pas. Est à votre bonjour. Service. Je suis impatient. Ils se tapent, ils sont incapables de se taper. Quand c'est on veut pas qu'ils se tapent. Je suis prête. Où dois-je le frapper? Mon le bras prochain qui va se taper, je le tue moi-même. Sur le champ. Fort bien. Sur le champ. Indiquez le chemin. Je suis prêt. Y a-t-il des démons par ici? Le mal se rapproche. Où dois-je frapper? Nous n'avons que peu de où temps. Où dois-je frapper? Je suis aveugle, pas sûr. Vous osez m'adresser la parole? Oh,
enfoiré. Je suis aveugle, pas sourd. Quel son appel pour la bâtiment construit. Voilà, on détruit cette base. Faites vite. Je suis impatient. On recule un peu. Du coup, 3 plus 1. Et un bâtiment construit. Ça fait bien 5. Seule chose qui me manque, c'est des feux follets au bois. Donc je vais renvoyer 5 au bois. J'ai pas d'armée de réserve. Recherche terminée. Y a-t-il des démons par ici? Mon bras est à votre service. Je suis impatient. Un problème? Oh, il y en a encore qui sont blessés. Nous n'avons que peu de temps. Voilà. Je suis à l'appel pour la nature. C'est bien. On va faire ce mode là. Tout le monde en ours. Y a-t-il un problème par ici? Avec plaisir. C'est parti. Je suis aveugle. Bâtiment construit. Oh là là. Oh, je vois ce qui monte la garde ici, ça me fait peur. Y a-t-il des démons par ici? Beaucoup plus gros là. Le mal se rapproche. On va faire un tour au niveau des murlocs aussi, parce que j'aime pas laisser les murlocs en vie. C'est un signe de faiblesse. Un bon murloc, c'est un murloc mort. Nos guerriers engagent l'ennemi. Recherche terminée. On est bien à fond partout. Vous osez m'adresser la parole? Ouais, on est vraiment à fond. Un problème? On va faire mieux. Le mal se rapproche. C'est quoi? C'est une potion de mana. Y a-t-il des démons? Bonjour. Visez au centre. Bon bah là, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais sur la carte. Pendant un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit que la partie allait peut-être plus compliquée que prévu. Mais en fait, on a bien géré. Je crois qu'il y a toute une partie de la carte qui sert à rien. La nature est belle. Si jamais j'avais planqué une petite base là-bas, ça aurait été plus compliqué. Donc il va falloir attaquer ici, ils sont 3 gros et un ancien de la guerre. Vous osez m'adresser la parole? Tout seul, nous envahit. On y va en bois. Je suis impatient. Illidan devant. C'est tout. Elle se rapproche. Un problème. J'ai devant. Ah, j'ai pas le temps de pousser. Je suis prêt. Bonjour. Allez, il donne. Hop. Nos guerriers engagent l'ennemi. Vous osez m'adresser la parole? Allez, ça part tout seul, là, c'est bon. La défense. Je suis à un problème. Pas sourd. On a donc passé encore un point de contrôle. Là, il y a plusieurs petits chemins autour. Alors, celui en bas, je sais qu'il servira pas à grand chose. Vous osez m'adresser la parole? Bonjour. Y a-t-il des démons par ici? C'est une promenade de santé. Je me suis fait repérer en haut. Le mal se rapproche. Un problème? Vous osez m'adresser la parole? Je suis impatient. Je vais juste brûler le mana, c'est intéressant ça. Nous n'avons que peu de temps. Effet de mutasserait. Y a-t-il des démons par ici? Normalement, une grosse armée comme ça qui fonctionne bien, c'est que des dryades et que des druides. Je suis aveugle. On n'est pas encore un petit joueur, ça fait très très longtemps que j'ai plus la mise préférée à l'époque. Mais ça se passe très bien. C'est quoi? C'est du médaillon du courage, ça c'est énorme. Santé. Quel appel pour la nature par là. Vous osez m'adresser la parole? Voilà, mon Illidan, il est overcheaté. Nos guerriers engagent l'ennemi. Un problème par ici. Ok, bah c'est fouillé, donc il n'y a plus rien. Illidan, il peut peut-être pas se dégager de la toile. Tu te soignes sur le bras, tu soignes l'autre là-bas aussi. Je suis aveugle, pas sourd. Mon bras est à votre service. Il y a un truc qui a soigné aussi, c'est seul. Fort bien. Je suis impatient. Ici pour revenir ici. Faites-nous un druide de plus. Je suis prêt. Ramenez-nous les renforts. Anodora. Y a-t-il des démons par ici? Parlez. Dégagez de là. Je suis impatient. Retournez-y. Ah! Vous voyez, on a croisé. Vous osez m'adresser la parole? Je sais le faire, ça. Dégage. Dégage. Nos guerriers engagent l'ennemi. Je suis aveugle. Pas sourd. Écartez bien. Allez, dernier. Est-ce que on a bien nettoyé tout ce qui était en bas? Ok, donc il nous reste plus. Ah, c'est juste deux infernaux qui montent la garde à la nature. Si c'est que deux infernaux. Qui nous envahit?
En route. C'est pas comme si j'avais peur des infernaux. Bon, moi, vous osez m'adresser la parole? C'est là que se trouve le crâne de Gul'dan. Ces quelques démons ne m'empêcheront pas de me l'approprier. Ouais. T'es un psychopathe dans ta tête, toi. Je suis aveugle, pas sourd. C'est une promenade de santé. Ah, y'a un portail, c'est pour ça que t'es dépêché. Allez, vous me le rasez tous. Bref, là, mais restez plus dans l'arrière. On va les pointer en plus. Putain, j'aurais du point de vue ce portail quand même. 2000. Allez, t'es gentil, tu fais pour personne. Ah, si, t'es mauvais grec, hein, quand même. Y a-t-il des démons par ici? Allez, vas-y. Accompli. Voilà. Au moins la corruption de la forêt va cesser. Mais si je détruis le crâne et assimile ses pouvoirs, je serai plus puissant que les lieutenants d'Archimonde le seront jamais. Oui. À moi le pouvoir. C'est un ouf. Désormais, je suis vie parfait. Waouh, c'est un psychopathe ce type. Éliminer Chondrius. Ah mince, c'est pas terminé en fait. Et comment on y va chez Chondrius? Mince, moi qui attaquais comme un bourreau. Je suis prêt. Allez, pointez-vous là-bas alors, on va éliminer Chondrius. Il y a combien de points de vie? Oh le pauvre, on va l'assassiner quoi. Un problème? Allez. Mais toi aussi, bouge tes fesses quoi. J'ai moins de points de vie que lui, mais niveau dégâts, j'en ai beaucoup plus. Quel appel pour la nature? Soyez pas kamikaze les mecs. Attendez que le c'est gros parti. Nous n'avons que peu de temps. Déjà ça c'est pas mal. Sur le champ. On commence à avoir un peu je plus suis de prêt. Troupes déjà. Fort bien. Il est là, Illidan. Je suis impatient. Par contre, Illidan est toujours un peu long. Est à votre service. Faut pas lui en vouloir. Si on fait ça une fois, on fait ça aussi, et on fait ça. Y a-t-il des démons par ici? T'as la moitié de détruit, c'est des poulets, ils sont derrière. Je suis impatient. Allez, on va attaquer directement là-bas. Il a même pas avant de réfléchir. La parole. Quand on a un héros comme ça dans son armée, on compte sur lui. Il n'y avait pas besoin de se poser, il va tout de suite seul. Qui nous aurait eu Dryad. Un problème? En fait, ils n'ont même pas tué Dryad. C'est pas trop grave. Chondrius. Vous osez m'adresser la parole? Est-ce que tu sens qu'on arrive? Nos guerriers engagent l'ennemi. Quoi? Qui es-tu? Voyons ce que tu vaux contre quelqu'un de ton espèce. Seigneur de la déroute. Je suis aveugle, pas sourd. Je vois ça aussi. C'est nos guerriers engagent l'ennemi. Ça va, qu'ils sont chers en boss. Je suis impatient. Quand même, il est costaud, petit. Par contre, avec tout le mana qu'il a, le sourd. Une quantité de bouillir qu'il va prendre. Le mal se rapproche. Ah par contre il y avait pas lui, normalement le seigneur de l'épreuve il invoque un par un, lui il est fait 3 par 3. Bon au moins il a plus de mana, allez tous dessus. Vraticondrius. Infâme démon. Qu'as-tu fait de mon frère? Je suis ton frère, Furion. Et voilà ce que je suis devenu. Non. Illidan, comment as-tu pu? Le commandant des morts vivants a été détruit. Et la forêt s'en remettra. Avec le temps. Au prix de ton âme. Tu n'es plus mon frère. Va-t'en. Et ne reviens plus jamais en ces terres. Ainsi soit-il, mon frère. Ah
Le mec qui passe, il détruit la forêt. Continuez. Bah, la pêche, il est balèze, Illidan. Ah, un petit interlude. Le dernier gardien. Deux jours plus tard, dans une tranquille prairie du mont Ijal. Nous n'avons que peu de temps, Furion. Que faisons-nous ici? J'ai fait un rêve. Un grand corbeau m'a parlé et demandé de venir en ces lieux. Ah, encore le prophète. On nous l'a demandé également. Qui êtes-vous, étranger? Je suis Thrall, fils de Durotan, chef de guerre de la Horde. Et je suis Jaina Proudmoor, à la tête des humains survivants de l'Orderon. Vous n'êtes pas les bienvenus en ces lieux. Paix, prêtresse. Ils sont venus vous aider contre la Légion. C'était vous dans mon rêve. Mais qui êtes-vous pour nous proposer une telle alliance? Je suis la cause du retour de la Légion. Il y a des années, j'ai amené les orques dans ce monde. Et ce faisant, j'ai ouvert la voie aux démons. Pour prix de mes fautes, j'ai été tué par ceux auxquels je tenais. Malgré ma mort, la guerre a fait rage dans les terres de l'Est pendant de nombreuses années, dévastant des royaumes entiers sur son passage. Aujourd'hui, enfin, je reviens pour remettre les choses en ordre. Je suis Medivh, le dernier gardien. Et je vous le dis, la seule chance de ce monde réside dans votre alliance contre les ennemis de toute vie. Ok. Donc on se retrouvera demain pour le chapitre 7. Sur ce, bonne journée à vous et ciao, bye bye.